Yo tout le monde, c'est l'Oxydor-Oxydé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo très particulière, enfin pas vraiment. C'est une vidéo de recrutement sur un serveur. Donc c'est soit un recrutement temporaire, donc un recrutement temporaire pour moi c'est quelques jours, oui, hein, pour terminer ce spawn PPFAC. Donc ce spawn PPFAC qui je trouve vraiment magnifique, qui est construit par une team de build, mais on a dû annuler ce contrat avec la team de build car... il y a eu des embrouilles, donc on va pas expliquer l'histoire, on n'est pas là pour ça. Donc on va se mettre en GM3 pour passer à travers la nuit. GM3. Voilà. Donc ce serveur, voilà. Donc le principe, c'est un très beau serveur au départ, hein, qui n'a jamais été terminé. Ça fait 3 mois qu'on attend, donc ça n'a jamais été fait. Donc au bout d'un moment, notre fondateur a dit c'est bon, c'est terminé, on arrête le contrat avec eux. Donc, je pense que je voulais déjà montrer dans certaines de mes vidéos, mais je voulais vous en parler plus particulièrement pour un recrutement builder. Donc, on recrute builder et terraformer, pas que pour le serveur, aussi pour... bah si, mais pas que pour le PPFAC, je sais pas si on peut que c'est, non. Pas que pour le PPFAC, donc voilà, il y a des salles, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc, pas que pour le PPFAC, on recrute aussi pour... tout simplement... comment dire, pour d'autres maps, hein, mais plus particulièrement maintenant pour le PPFAC. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir la compétence de construire des patterns comme ceci. Voilà. Donc voilà, il faut avoir la compétence de builder des patterns comme ça, parce que vous voyez, tout le bas est fini, mais la moitié du haut, donc c'est un quart, hein, comme sur tous les builds. Donc vous faites un quart ici, vous pouvez être deux ou trois, des potes. Si vous avez des patterns de ce niveau-là, vous pouvez terminer. Et si vous avez le courage, vous finissez une tour. Ce travail, il n'est pas rémunéré par contre, parce que pour l'instant, c'est le début d'un serveur. Mais pourquoi pas, si une team de build, ça pourrait être rémunéré par un serveur ou quoi, j'ai déjà vu ça. Donc, et pour les terraformers, il nous faudrait quelqu'un qui soit capable de faire ceci. Vraiment pas, pas compliqué pour un terraformer, j'imagine, mais pour moi ça l'est. Donc les conditions requises, donc les patterns, avoir plus de 12 ans, hein, c'est un minimum, ou alors être vraiment très bon et être mature. Quand je demande à un builder, j'ai eu beaucoup de choses comme moi je sais builder, les mecs ils m'envoient des photos de maisons en cobble et en stone brick, quoi, sans détail, sans rien. Non, ça sert à rien. Mais moi qui suis pas très fort, j'aurais jamais été accepté sur un projet comme ça. Donc voilà. Après, il faut avoir un certain petit niveau déjà, hein, pour savoir construire ça. Donc c'est un projet vraiment en attente, hein. On a vraiment besoin de vous dans les prochains jours. Donc voilà. Et la dernière condition pour être recruté, c'est d'être abonné à ma chaîne, hein. J'ai déjà dit dans mes certaines vidéos que je voulais pas beaucoup d'abonnés forcément, mais là je vais en avoir besoin. Donc attendez, j'aimerais bien avoir quelques abonnés quand même pour m'aider pour être un peu plus connu, faire plus de vidéos pour vous. Donc voilà, donc par exemple ici, encore des détails. Donc vous abonner, liker, commenter ma vidéo. Donc voilà, ici c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Voilà. C'est pas fini, il faut que je termine cette pièce là. Commentez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis moi je vous dis essayez de trouver des bons builders. Ou même si vous avez des copains qui savent le faire, contactez-moi. Allez, peace.